Retour sur le plateau du Salon de l'immobilier de Toulouse. J'ai le grand plaisir de recevoir Bruno Solière, qui est le directeur régional sud-ouest de Pitch Promotion. Monsieur Solière, bonjour. Monsieur Matera. Bienvenue sur le plateau. On va parler de Pitch Promotion d'abord de manière un peu globale. C'est une entreprise qui est nationale. On peut faire un peu l'historique ? Oui, Pitch a aujourd'hui 25 ans d'existence sur le plan de l'Hexagone. C'est un groupe familial qui pèse 250 millions d'euros, qui a un peu plus de 100 collaborateurs et qui a la particularité d'intervenir sur l'ensemble des métiers de la promotion immobilière. Alors voilà, vous ne faites pas que des logements, c'est à signaler. Vous faites des commerces ? Absolument. Des hôpitaux ? Des hôpitaux, des hôtels, des usines, des commerces, du logement. Donc on est tout à fait généraliste sur l'ensemble des métiers de la promotion immobilière. Quel est l'avantage concurrentiel quand on sait faire tout ça par rapport à des promoteurs entre guillemets traditionnels de logement, bien sûr, il est très clair. C'est par exemple, quand on construit un siège social d'une entreprise, il est intéressant d'avoir les salariés de l'entreprise comme acquéreurs de nos logements. Par exemple, c'est vrai. Voilà, et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose dont on bénéficie sur nos programmes de manière très significative. Ce qui veut dire qu'effectivement, les salariés sont contents de travailler dans nos bureaux et quelque part, ils achètent plus facilement chez nous. Alors, vous avez bien sûr une actualité sur le salon ici à Toulouse. Vous êtes plusieurs à avoir la même actualité, mais elle est d'importance quand même. C'est le quartier de la Cartoucherie. Alors, dans certaines autres villes de France, comme Lyon, on a Confluence, à Marseille, Euroméditerranée. Alors, la Cartoucherie, c'est un enjeu très important pour Toulouse Métropole. Le maire en parlait ce matin. Vous êtes l'un des trois promoteurs qui déclenchait, là, aujourd'hui, sur le salon, ces nouveaux programmes. C'est un virage pour Toulouse. C'est un virage pour vous aussi ? Alors, il ne s'agit pas vraiment d'un virage pour la profession de l'immobilier, parce que je crois que c'est un programme que l'on travaille d'abord depuis longtemps, qui a fait l'objet d'un concours. C'est clair que la ville de Toulouse a mis beaucoup d'enjeux sur ce dossier qui est très représentatif de l'avenir en matière de construction. En ce qui concerne donc l'équipe Pitch et Cogedim, puisque nous sommes associés à Cogedim sur ce projet et Promologie en matière de logements sociaux, nous avons voulu faire un projet effectivement novateur sur les orientations et sur les terrasses. Ah, donc avec de très grandes terrasses, plein sud. Et la particularité, alors c'est vrai que nous sommes plusieurs aujourd'hui sur ce salon à lancer cette opération de la Cartoucherie, mais pour se différencier, nous sommes les seuls à avoir le permis de construire. D'accord. Voilà. Alors, on va demander à notre réalisateur d'aller nous montrer effectivement ce programme de la Cartoucherie. Vous avez deux maquettes sur le stand. Quand je disais c'est un tournant, j'essaie de me référer à ce que M. Cohen disait ce matin, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de modèle économique solidaire basé sur le fait qu'on travaille, enfin quand je dis on, c'est par exemple la société d'économie d'aménagement, on travaille des promoteurs, on sait qu'on a un déficit énorme en France sur le logement social, et il y a une espèce d'adhésion finalement des promoteurs à dire on fait des logements, bon bien sûr pour créer de la richesse, c'est normal, et on prend en compte effectivement la dimension sociale. C'est en ça que je parlais d'un tournant, vous partagez ? Alors, là où je partage, c'est qu'on prend les dossiers plus en amont avec les opérateurs sociaux. C'est important. Au lieu de les associer en fin de parcours en disant, mais voilà, on était obligé de faire 25% de social, donc la dernière cage, elle sera pour eux. Bon, de plus en plus, on ne travaille plus comme ça. On travaille les projets en amont avec eux, sur la conception, sur la typologie, sur les orientations. On travaille main dans la main. En tout cas, c'est ce qui a été fait sur la Cartoucherie avec Promologie. Alors parlons de ce programme de la Cartoucherie, qui est un programme qui préfigure la ville de demain. Il est connecté déjà au transport, au tramway. Oui. Qu'est-ce que vous allez proposer, alors en dehors effectivement des aspects ergonomiques, qu'est-ce que vous allez proposer en termes de vivre ensemble ? Alors déjà, ce qui est important, on le voit très bien sur la façade de la maquette, c'est qu'on est à Toulouse. Oui. Donc il faut des grandes terrasses. Voilà, on aime le soleil. On aime le soleil et on a utilisé les toits pour faire des terrasses également. Donc les derniers appartements pourront bénéficier de terrasses sur les toits des immeubles. Alors quand on est au 9e étage, il n'y aura pas beaucoup de gens qui pourront bénéficier de ça, mais je pense qu'ils seront très heureux de pouvoir bénéficier
En dernier étage. Voilà, là, on est vraiment en direct. On est en direct depuis votre stand avec Cyril qui est à la caméra et qui montre, voilà, qui montre effectivement ce programme. On voit effectivement ces terrasses, enfin, cette ergonomie, je disais, en tout cas, cette organisation de la vie dans les appartements. Qu'est-ce qu'on va trouver autour, finalement, autour de ces programmes et de celui-là ? Alors, tout l'intérêt de ce programme de la cartoucherie, c'est que la ville de Toulouse et la SEM, vous en avez parlé tout à l'heure, Opidea, ont anticipé et on n'arrive pas dans un no man's land, puisqu'aujourd'hui le tramway est en fonctionnement. La difficulté, c'est quand on construit les logements et que notamment les transports ne sont pas encore mis en place. Là, on arrive dans une zone qui a déjà des services, notamment de transport. Il y a le Zénith, vous le savez aussi. Oui. Et ils vont venir concomitamment des commerces également et des écoles. Donc il y a tout un tas de services associés qui seront simultanés à nos constructions. On ne va pas construire au milieu de rien. Et là, je trouve que c'est intéressant aussi. On est en R+. Alors, pour ce qui nous concerne, sur le plus haut, R+9. Ce qui est là aussi un nouveau phénomène, parce qu'on a, pendant de nombreuses années, limité les hauteurs des immeubles. Là, on revient à quelque chose d'un peu plus haut, qui offre, vous le disiez, plus de vues, hein, plus de ciel, on va dire. C'est la tendance ? On va être obligé, je veux dire. Et oui, voilà, on densifie. On densifie les villes. On le sait bien, un excédent d'habitants sur Toulouse très important, autour de 10 000 habitants supplémentaires tous les ans. Ce qui est énorme. Il faut bien les accueillir. Donc c'est la métropolisation et donc c'est la densité par voie de conséquence. Et il est bien normal qu'on densifie autour des transports en commun. Et pour ce faire, il faut monter. Alors bien sûr que quand on est en maison individuelle et qu'on se retrouve à côté d'un immeuble qui va faire 10 étages, il est légitime de se poser des questions. Et c'est là qu'il y a tout un travail de concertation qui est mené par la ville et par la fédération des promoteurs qui sont associés aux concertations pour qu'on explique qu'effectivement, on peut conserver des zones à faible hauteur, mais que majoritairement, lorsqu'il y a du transport en commun, il faudra monter. Alors, vous lancez officiellement ce programme sur le salon de l'immobilier de Toulouse. J'aimerais un peu savoir et comprendre qui va être l'acheteur, enfin l'acquéreur, qui va être l'occupant de ces logements, son profil. Écoutez, on est dans Toulouse. Donc déjà, Toulouse bénéficie d'un engouement important, quels que soient les programmes et quels que soient les quartiers. Voilà, il y a besoin de logements à Toulouse. Après, on est dans le quartier, quartier hospitalier, hein, il y a l'hôpital de Purpan, donc on a de fortes chances de traîner les gens qui travaillent à l'hôpital Purpan. Mmh. Hein. Il y a des écoles autour, hein, c'est un quartier universitaire, donc on a de fortes chances de drainer également des universitaires. Voilà, après, comme on est à 4 stations du centre-ville, de l'hypercentre, je crois qu'on peut drainer très large. On peut imaginer des habitants du centre-ville qui peut-être... excédés un peu par le bruit, etc., viennent se mettre en périphérie. On peut imaginer ça ? Oui, puis je vous le disais, des gens qui, justement, veulent avoir de la vue, parce que c'est peut-être bien d'habiter en rez-de-chaussée, d'avoir une petite maison. Sauf si on a vu sur le Capitole. Mais voilà, ça va commencer à devenir compliqué. Oui, là, ça va être très compliqué. Voilà. Donc là, ce sont des programmes où les gens pourront avoir des vues superbes, que ce soit de jour comme de nuit, parce que la nuit, une ville illuminée, c'est toujours magnifique. Et je crois que ce programme pourra être... vraiment une véritable tour de... D'ailleurs, on l'a appelé Perspective. Perspective, voilà, votre programme s'appelle Perspective. Donc, c'est parce qu'on a une très belle perspective. Alors, on ne peut pas encore monter dans les étages. On n'a pas démarré le chantier, mais je crois que ça, voilà, on aura des vues superbes sur la ville. Voilà, et ça, c'est très important. Livraison pour ? Alors, livraison, ça dépendra de comment on commercialise. Bien sûr. Donc, on a prévu d'attaquer les travaux, je dirais, l'été prochain, en été 2014. Donc, en gros, c'est une livraison fin 2015. Fin 2015. J'imagine que quand on est promoteur comme vous, on réfléchit au coup d'après, entre guillemets. Si j'avais besoin de savoir dans 10 ans comment vous voyez Toulouse et comment vous voyez l'organisation urbaine de Toulouse, on va continuer à s'étaler ? Non. Je pense qu'il y aura deux phénomènes. Les gens qui vont vouloir habiter loin, sortir de la ville, parce qu'ils ont justement, ils n'aiment pas le bruit, ils n'aiment pas les nuisances... Les difficultés de sécurité qui sont inévitables dans les grandes métropoles. Donc, c'est des gens qui partiront dans la montagne, dans les campagnes. Et en Ariège. En Ariège, élever des moutons ou des lapins, j'en connais. Oui, bien Moi, sûr. Moi qui suis montagnard, j'ai le plaisir d'en rencontrer beaucoup. C'est un plaisir. Mais il y a aussi ceux qui ont besoin d'être proches de leur activité professionnelle. Et l'activité professionnelle, malheureusement, elle est souvent près des métropoles.
Bon, à Toulouse, c'est Airbus, on le sait bien. Mm-hmm. 20 000 emplois directs, 80 000 indirects. Donc ces gens-là, il faut les loger. Airbus a un potentiel encore énorme. Donc ben, ces gens-là, il faut qu'ils soient là, sur la métropole. Et voilà. Alors après, moi, si je voudrais dire un mot, quand même, M. Matera, c'est que pour ce qui concerne Pitch, l'avenir, ça sera toujours la diversité des produits. Et j'y suis très attaché parce que je crois que si on fait que du logement, on ne s'enrichit pas. Voilà. Et à la fois la société, mais à la fois vis-à-vis des collectivités. Parce que quand on fait de l'économie, on est capable, comme on a sur le stand d'ailleurs, de faire des quartiers entiers où on a des programmes qui sont multiproduits, avec du commerce, du bureau, une école, on fait l'école de l'art et du cinéma à Oseville par exemple, l'ESMA, et du logement. Donc quand on sait, voilà, si on sait faire chaque produit, après on sait les amalgamer et faire de véritables quartiers, des zones de vie. Et ça, je crois que les gens s'en attendent aussi. Voilà, c'est la grande différence, je dirais, entre les promoteurs immobiliers d'hier, mais sans connotation péjorative, pas du tout, qui demandaient effectivement un permis de construire, qui montaient un programme. Là, il y a une véritable organisation autour de, je dirais, de la ville, la façon dont elle s'organise. Et ça, c'est vraiment nouveau, quoi. Et quand on a effectivement cette capacité à construire aussi bien des commerces que des entreprises ou des logements, c'est un plus, c'est un atout pour vous. Bien sûr, bien sûr. Une dernière question. Le salon a débuté aujourd'hui. Vous allez recevoir, j'imagine, pas mal de gens. Vous avez du monde pour répondre à toutes ces questions, parce qu'on peut se poser plein de questions quand on voit un nouveau programme comme ça lancé. Écoutez, déjà, j'ai mon équipe commerciale qui est en place. Qui est en place. Et je les salue au passage, au travers de cette interview. Au-delà de l'équipe commerciale, j'ai la chance d'avoir une formidable équipe technique qui vient sur tout le salon. Donc j'ai mes ingénieurs qui sont là pour répondre aux questions techniques. C'est aussi une de nos forces. L'ensemble de mes responsables de programme ont tous fait du chantier. Moi le premier d'ailleurs. J'ai fait 20 ans de bâtiments et travaux publics. Et je crois que c'est une force, la technique. Il fut une époque, l'immobilier, c'était beaucoup les finances. Mmh. Ça l'est toujours, bien sûr. Mais ça va devenir de plus en plus difficile d'avoir de la qualité. Et si on ne sait pas se comprendre avec les entreprises qui construisent, on aura des difficultés. Et j'y suis très attaché. Merci beaucoup Bruno Solier d'être venu nous voir sur le plateau. Vous êtes, je le rappelle, directeur régional sud-ouest de Pitch Promotion et vous lancez bien sûr votre programme à la cartoucherie. Bon vent. Merci Monsieur Matera. Et puis longue vie à votre programme et à Pitch Promotion. On se retrouve un peu plus tard sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier de Toulouse.